avec Frédéric Vasseur, le boss de l'écurie Ferrari, sur la grille de départ des 24 heures du Mans, et ex-ART, ce qui doit vous rappeler aussi de bons souvenirs ici. L'ambiance, j'imagine qu'elle est, elle est grandiose aussi pour vous. Bah oui, elle est exceptionnelle. Je pense que le, indépendamment du nombre de personnes, je trouve qu'il y a un enthousiasme et une ferveur au Mans qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et les, en plus de tout, les gens sont hyper gentils et ça, c'est exceptionnel pour tout le monde. La première ligne sur la grille de départ, ça c'est la cerise sur le gâteau, avant la course, qui va livrer forcément son lot de surprises, comme d'habitude. Oui, oui, mais même si je ne suis pas directement impliqué, je me suis permis de dire à Foucault qu'il avait 8 mètres d'avance sur 5000 km à faire, donc c'est pas maintenant que ça se fait. Ça va être une course qui va être longue, j'espère, du moins, et voilà, faut juste être calmé et détendu sur un coup comme ça. On va pas présager de l'avenir, mais est-ce que des pilotes de Formule 1 comme Carlos Sainz ou Charles Leclerc, qui est ici aujourd'hui, pourraient à court terme faire partie de l'équipe Endurance, ponctuellement, on va dire? Bah, ponctuellement, je pense que c'est hyper exigeant l'endurance, qu'on a 6 pilotes qui sont très professionnels, très bons, très expérimentés, et c'est difficile de plonger une fois dans l'endurance quand on vient de la F1, mais pourquoi pas, parce que je pense que Charles est là et je trouve qu'il doit trouver le challenge hyper excitant et l'ambiance exceptionnelle.